Alain, c'est la fin ? Ah, c'est le début, non, c'est pas la fin. Alors, c'est le début de quoi ? C'est le début d'une nouvelle histoire à Lyon sur le web, c'est certain maintenant. On a marqué l'histoire là, je pense, non ? Je sais pas si on a marqué l'histoire, ça, c'est pas nous qui faisons l'histoire. D'accord. Hein. Mais en tous les cas, on a certainement marqué notre empreinte quelque chose aujourd'hui, hein, ça c'est certain. Et ce qui nous intéresse le plus maintenant, c'est aller plus loin. C'est-à-dire que cette conférence soit le début d'une histoire, et ça va l'être, je pense, parce que les énergies se sont retrouvées et se sont mises en synergie. Et aujourd'hui, les gens, ils ont envie d'aller plus loin. Franchement, tout le monde, là, aussi bien les acteurs économiques que les acteurs institutionnels, que les chercheurs, là, ils sont mûrs. Et donc, c'est à nous de ne pas louper encore du boulot, alors. Je crains que oui. Et en fait, voilà. Donc, oui, mais bon, pour Lyon 1, c'est pas mal. Ouais. Il y a eu beaucoup de monde, beaucoup d'activités, beaucoup d'échanges, sauf sur le stand en face, mais bon, ça c'est un peu spécial. Mais sinon, il y a eu vraiment beaucoup d'échanges à peu près partout, quoi. Alors, moi, j'ai pas pu suivre tout ce qui s'est passé, mais si on en regarde les tweets, là par contre, j'ai toutes les statistiques sur les tweets, ça a pulvérisé des records. On a dépassé entre 9000 et 10000 tweets par jour. Donc c'est tout à fait impressionnant, ce qui démontre une... Mais dans tous les domaines. Hein. Évidemment, quand Tim Berners-Lee était là, on décroche encore un peu plus. Mais même dans les autres cas, ça démontre un intérêt. Et puis alors, des tweets vraiment sympas, il y a toujours quelques-uns qui disent « Ouais, bon, c'est pas bon ». Mais très, très peu. Quoi. C'est-à-dire que si on fait la balance entre des tweets qui sont de nature négative ou positive, ça fait partie du bruit, ce qui est négatif. Puis même là, dans ce petit lieu, là, notre petite Web TV, ça a bien marché. On a eu des bons moments. Ce matin, avec Bernard qui est venu, qui a parlé longuement, finalement, on a eu 10 minutes. Bernard, c'est par définition, il parle longuement. Ah bon, d'accord. Mais non, je trouve qu'il y a eu plein de choses sympas qui sont passées aussi. Ça a bien résonné sur Internet, ça a bien été retweeté. Donc, on est content. Oui, non, c'est une excellente initiative. Puis je trouve que c'est une bonne façon, à un moment donné, de pouvoir assez naturellement rendre compte des événements qui se passent et d'en garder trace. Puisque maintenant, on va pouvoir les mettre en ligne depuis 5 jours. Les garder, hein. Quoi. Ah, ouais, c'est-à-dire que, parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que notre site web, il a vocation d'archive. D'accord. C'est-à-dire qu'il va rester comme ça, avec, pour un temps indéterminé, dans lequel tout ce qui a pu être dit, publié, visualisé, filmé, photographié, tweeté, tout ce qu'on pourra, sera encore accessible. Donc on va avoir quelque chose qui est de l'ordre de la mémoire de quelque chose. D'ailleurs, les corpus de tweets vont servir pour la recherche. D'accord. J'ai proposé à nos amis brésiliens qui prennent la suite en 2013 de faire la Web TV 2013, mais ils m'ont dit qu'ils avaient déjà une équipe. Ouais, ça, oui, t'as loupé une occasion d'aller à Rio. Mais. Donc c'est pas grave, on faudra qu'on trouve une solution. Peut-être que c'est vachement important pour l'Université du Monde d'être présente à. Bah, au moins que toi, tu y ailles quand même. Hein. Ah ben nous, on y sera, c'est sûr. Hein. Bah, c'est bien. J'espère qu'il y aura autant de Français à Rio qu'il y en a eu à Lyon. Une centaine, je crois. 400. 70 Français inscrits à cette conférence. Donc c'est énorme. Ouais. Et donc sur 1800, hein, quand on compte toutes les inscriptions, aussi bien les exposants que les gens qui sont venus pour une journée, mais sans compter CUN, hein, donc bien entendu. D'accord. Et ben merci Alain, à la prochaine. À la prochaine étape. Ben, la prochaine fois, ce sera sur un événement autour du web en juin 2013, sûrement. D'accord. Ça marche. Donc tu réserves. Je réserve, je bloque l'agenda tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci.